Bonjour public. Habitués ou non des spectacles d'improvisation, si vous êtes venus ici ce soir, c'est pour assister à un exercice des plus spectaculaires. Devant vous, pas moins de 12 improvisateurs et improvisatrices vont réaliser l'intégralité d'une pièce de 1 heure, entièrement improvisée, grâce au petit papier que vous avez rempli en début de séance. Et maintenant, je laisse place aux improvisateurs! De 6 personnes fonctionnant en binôme. Chacun d'eux remplacera les rôles respectifs lors des différentes scènes que je vous laisse apprécier devant. Allez, Kélor ! Je demande à la première équipe de se mettre en place, à la deuxième équipe de rejoindre les gradins. Et le sujet de la pièce de ce soir sera... Je fais un petit melting pot. La fin du temps approche. Et je vous laisse 2 minutes de réflexion. Pour distraire mes amis spectateurs, je vais vous lire les sujets que je n'ai pas sélectionnés. C'est de la poudre de perles à papa. La face cachée des carreaux vertes. Baille et se plaque la mâchoire avant une conférence sur les problèmes gastriques. C'est pas compliqué. Gélose SS. J'ai dû manger à 19h pour venir voir ce spectacle. Permuté. Un courtier en chaussons. Les caricatures de Mahomet. Je suis charmé. Pourquoi se faire du mal quand il y a une attente de néant? Aimer plus fort qu'être aimé. Une levrette papillon. C'est quand on bat les ailes en même temps. La tortue turbute. Fenêtre ouverte, en référence à grande œuvre, je suppose. La compétition entre étudiantes et la fin du caucus. Mettez-vous en place. Début de l'acte 1. Impro. Eh bien, ça fait
ça fait 15 minutes que je travaille, j'aimerais faire une pause, tiens. Vas-y. Merci. Je sais pas où le mettre. Voilà. D'accord. Tiens, ton café. Merci. Eh bien, l'idée, tu vois, ce serait que pour l'optimiser la machine, il faudrait qu'on puisse rentrer à 4 ou 5 dedans. Ouais, non, mais là, j'ai pas assez de matériel. Faut faire une commande. Bah ouais. T'as un téléphone ? Ouais, c'est ça. Allô ? Oui, est-ce qu'on peut avoir du matériel, s'il vous plaît? Merci. Au revoir. Bon. Non, il faut le double. Appelle. Oui. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir du matériel? Le double, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Bon, Le patron va pas tarder. Bonjour. Bonjour. C'est pour le matériel. Ah oui, là s'il vous plaît. Je peux encore trouver le double. Oui, je suis parti avant le deuxième coup de fil. Ah, où, je retourne. Le reste. Le double. Merci. Pas bah, le reste. Sur le carton, s'il te plaît. Moi, je vais attendre. Bonjour. Oui. Où c'est le double en question? Ah, là s'il vous plaît. Écoutez, bah, tant que vous y êtes, vous ne voulez pas ouvrir les cartons. C'est bon, j'ai ouvert les cartons. Alors, tiens, je pense que ça, ce serait pas mal. Tu vois, là, comme ça, hop, 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 et là, on tombe les deux. Mais vous êtes en train de... C'est mon idée. Waouh. Incroyable. Mais c'est super dangereux. Vous savez. Est-ce que je peux vous aider à construire cette machine? Ah, bien sûr, de l'aide, toujours prêt à avoir de l'aide. Voilà. Alors, on travaille gratuitement en livrant des doubles. On travaille gratuitement pour vous. Vous aider à finir cette machine. Eh bien, regardez, c'est simple, il faut. Bon, vous faites ça, moi je vais dessiner le plan, on revient. Voilà. Là, cette partie-là, c'est facile, tu prends les boulons, le marteau, le tournevis et hop, ici, la gauche, la droite. Les boulons, le marteau et les tournevis. Non, mais je te dis, c'est pas possible, là. Je suis déjà sur un gros projet, je peux pas tout faire. Oui, bon, mais on pourrait acheter la semaine prochaine, c'est pas grave, donc ça va. Oui, je te rappelle, vite. Ouais. Non, toi d'abord. Toi d'abord, ouais. Vas-y, allez, fais vite. Alors, ça se passe comment là? Oui, bonjour, bonjour patron. Bonjour, je suis de nouveau. Je ne suis pas payé, ne vous inquiétez pas. Elle est où la machine à café? La machine à café, eh bien. Il n'y a pas de machine à café? Non, mais je vois. Ouais, la machine à café, la machine à café. Alors du coup, ça en est où ce petit projet là? Je viens de finir ce que vous m'aviez demandé. Oui, ce qu'on avait demandé, bien sûr, ça a bien avancé. Vous pouvez remarquer que ici... assistant pardon, je croyais être devenu assistant, mais je suis quoi alors? Non. Je suis nouveau, je ne suis pas payé. D'accord. Mais... Non, alors en fait, c'est simple, il va vous expliquer. D'accord. Voilà. Vas-y, qu'est-ce qu'il vous plaît? En fait, il est embauché parce que... Parce que... machine. Sa machine, quand même. Ma machine. Je cherchais la biocop. Oui, mais donnez-moi ça. Elle a annoncé à cette adresse. Je suis en train de la construire, je suis désolée. Bon, attendez, j'ai des manuels. Vous avez suivi les plans, au moins? Oui, bien sûr. Je vous donne les outils.
utilise du stencil, le double, tout ça, mais il faut quand même suivre le temps. Donc, vas-y. Deux portes, c'est ça, vous m'avez dit? Oui. On part sur un double, c'est ça, parfait. Oui. Donc, on peut rentrer à combien dedans? À 7. J'ai à 7 heures, ça m'arrange pas. Pas des masses. Ça, ouais. ça va être très cher, ça, non? Non. Parce que comme il est gratuit, ça fait de la main d'œuvre. Hop. C'est pas permettre, ça, à quoi? Alors, en fait, c'est très simple. Vous voyez, je suis pas trop de cette entreprise et mon projet. Regarde ça pour vous. En fait, on va faire une machine à remonter le temps. Non mais pour la pub, vous inquiétez pas, je pensais à un truc, vous en avez marre de vivre dans votre époque, c'est vraiment de la merde, les chansons c'est nul, c'était mieux avant, pas de problème, la machine a remonté le temps. La maternelle, la primaire, le collège, le lycée, j'ai pas du tout envie de tout recommencer. Non, hein. Madame, mais vous voyez vraiment trop petit comme ça, moi je vous dis de remonter le temps, d'aller dans une autre époque, genre retourner à l'époque de, je sais pas moi, Napoléon, le ou les dinosaures. Eh, c'est le moment d'essayer la machine. Je veux bien que vous parliez. Elle est totalement terminée. Oui, parce que je vois des petits boulons traîner, c'est comme les mobiliers, hein, c'est pas normal. C'est... Alors, vous avez construit la machine à café, je peux pas tout faire, il y a des qui se construisent. Moi j'ai fait la partie que tu m'as demandé et on, je pense qu'on peut les. Oui, mais oui. Sans en sécurité. Oh les copains, vous faites quoi là? Ah. Oh là là, voilà. Un parfait cobaye. Non, si
à cet effet. Je vous envoie donc cette missive pour vous en informer. Signé Queen. Ah oui, c'est sûr, ça va mieux. Ah,
J'espère que c'est au moins un vivant. Bah ouais, j'ose pas sortir parce qu'on est un peu de la merde en 2019 quand même. Ça va. Bah, de merde, c'est, s'ils avaient leur, leur machine à exprimer, peut-être qu'on aurait pu s'en servir. Hein. Et pourquoi faire? Ah, tu peux aller super vite. Oh! On y va, monsieur, on y va, on y va. Regardez, regardez. C'est combien le salaire? Non, on s'est neuf avant.
Le salaire, on en rediscutera plus tard. Est-ce qu'il y a de la monnaie entre amis Avant de gagner de l'argent, il faut travailler, monsieur. Alors, comme vous voyez là, il y a une machine, magnifique machine, je vous demande juste d'y rentrer dedans. Bon, bonjour, machine. Non, vraiment pas. Vous pouvez montrer comment on rentre. Mais elle va s'occuper. Tu rentres comment on rentre dedans? Ok. Désolée, elle est que stagiaire. Enfin, apprenti. Non, je rigole. Bon, alors, pour rentrer dedans, vous voyez, il y a deux petites marches. Un concept nouveau pour nous, ça fait un petit moment qu'on n'a pas remis ça à jour. L'escalier, c'est un concept nouveau. C'est moi qui l'ai inventé. En fait, j'ai eu l'idée de mettre une plaque et j'en ai mis une autre un peu en décalage au-dessus. Sinon, c'était sur le même plan. Bah, ça faisait un petit peu quelques années qu'on était à l'école. Sinon, il faudrait peut-être voir se dépêcher parce que. Ouais, moi, ouais, je rentabilise. Est-ce que tu crois que tu penses comme qui sait faire de marche? C'est quand même technologique. Non. Les gars, vous faites confiance, ça fait environ 1000 ans que je l'ai fait survivre sur cette putain de planète en train de crever. Vous montez dans la machine, je la démarre et on verra. Je suis toi, 2019, on est d'accord? Est-ce qu'on peut au moins choisir? Ne vous inquiétez pas, je vous prépare votre contrat. Entrez. Non, mais tu l'as rembourré, je t'ai envoyé en 2019? Mais non, on va voir si la machine que j'ai commandée à nos techniciens marche. Oh, attendez, par contre, il y a des portes. Bah ouais, il a mis sa lampe, mais vous êtes bouffe. Et vous prenez rien pour pas qu'il s'éteigne en 2019. Mais moi je promets rien. J'ai pas de mon temps là. 3, 2, 1. Ça va? Non. C'est bon, allez, pas de chouchotte, c'est la troisième fois là. On est mal. Non mais écoutez, déjà moi ça fonctionne alors Ça met combien de temps on a galéré là-dedans? Combien de voyages on a fait? Combien de portes on a parcouru avant, arrière, après, demain? Est-ce que vous savez qu'ici pour faire pousser une carotte, il faut y prendre pendant 3 jours pour faire une machine? Ensuite il faut prendre pendant 1 an pour faire l'arrosage, les systèmes et tout. Et vous me demandez une machine à valiser d'enfants? Bah oui. Vous n'étiez pas, en 2019, vous avez déjà une machine. Et bien on est mort. Vous avez déjà une 40. Alors, on est juste à cette expérience. Et bien écoutez, on est là. Regardez, on est ici. Je commence à m'énerver. Mais il n'en fait que 3 jours. Mais vous foutez de ma gueule, en 2019, j'ai été machine plus performante. Ils nous font perdre notre temps, ma mère. On fait quoi? Tu prends le temps. Vous trouvez ça drôle? Et mon portefeuille, vous savez que c'est moi qui paye ce rocher! Et vous savez que c'est moi qui fais construire vos machines de merde! Je peux vous Mais allez-y, viens là, c'est la seule personne à peu près compétente ici! Mais ils parlent, c'est d'autres cobayes en plus! Ils nous font chier! Mais rentrez dans la machine! Oh, mais regarde, la putain de machine, mais elle marche pas! Elle marche pas! Attention! Je vais pas venir, je vous entends crier depuis tout à l'heure, ça me fait peur. On crie pas. Oh, ça va mieux. La machine, oui. Pourquoi elle ne fonctionne pas? Alors? Bah, elle fonctionne. Vous avez dit elle marche pas, c'est vrai, elle marche pas, elle va se planter là. Pour fonctionner, il faut juste mettre des piles, quoi. Le problème, c'est qu'on en a plus. C'est qui a pris les piles? Je vous ai dit, les capitaines, on ne les prend pas. Je sais que c'est tentant, vous avez trouvé une vieille Game Boy des années 1000... Ouvrez-moi, putain. Les zombies sont derrière. Ils arrivent là! Après, vous savez, les zombies sont apparus hier, alors si vous voulez, je vous renvoie il y a 3 jours.
Non, mais c'est sûr, sûr. Trois jours, on viendra. Je ne les laisse pas mourir ici, ils viennent avec nous. Ils font le voyage avec nous. Non, mais vous partez devant, on vous suit. Thank you.
Bon, mais super, vous trouvez quelqu'un maintenant, hein? Ah, je crois que c'est pire. Super. Vous devriez aller voir. Qu'est-ce que vous faites?
Il y avait un bande de gens derrière moi. Il y avait de la place là. Et... Sur vous là, monsieur. Ça, c'est un objet contendant.
Vous ne pouvez pas. On est dans le théâtre en voyage pour aller faire un concert. Vous ne pouvez pas rentrer avec des objets contendants dans l'avion. Non, parce qu'après les gens ils sont pas dans l'avion. Je joue sur son objet. Bon voyage. Pour aller dans le ciel, c'est un char volant. Un char volant, bouge pas. C'est génial. Tu bouges pas. Non, je bouge pas. Non, je bouge pas. On est bien, hein? Ouais. Chou, chou, beignet. Alors voilà, chouchou, beignet. Chouchou. Vous voulez les chouchous, les beignets? C'était un vendeur de chars. Oui. Tu peux choisir ce que tu veux, vas-y. Où sont les galériens qui font avancer le char? Moi ça va aller, merci. Je peux aller juste en Égypte. Il faut prendre un Vous avez fait miam miam manger. C'est pas obligé, bon, d'accord. C'est... Ah bah oui. Je connais pas les coutumes. Bah, j'attends que ça parte. 3h05 ans plus tard. Ah, on est arrivé. On a vraiment voulu ou c'était... Oui. Alors là, on va arriver dans ton pays, mais voilà, plus tard. Voilà. Peut-être que des choses ont changé, on ne sait pas. Parce que mon pays est toujours le plus grand pays du monde, le plus puissant, le plus... Oui, sûrement, enfin oui. Bon. Ah, pas vraiment. Si tu veux, on va essayer de trouver ta pyramide. Bah, elle est là, d'abord. Vous êtes bien vous du
passé, du futur. Et moi? Excusez-moi, contrôle des papiers. Oh! Ah, ah mais c'est... Ah, mais c'est... Ah, mais c'est... Non, mais c'est... Non, mais c'est... Il a failli aller servir. Mon Dieu! Loïc, c'est toi? Mon frère jumeau que j'avais perdu. Oh, non, mais comment? Oh, je suis content de te retrouver. Tu sais fou, j'ai jamais vu ça. Je le retrouve aujourd'hui. Je ne comprends pas qui je suis. Tu vas me faire donner tes papiers. Ah, il ne veut pas donner les papiers. J'ai une matraque et je ne citerai pas mon service. Hein. Alors là, j'ai une matraque. Ouais, mais bon, le texte en plus. Ça l'a envoyé, c'est rencontré lui-même, ouais. Ça marche pas. Rendez-les.
Les papiers, qu'est-ce que... Voilà, on est un jour avant, vous revenez. Regardez-moi. J'avais compris. J'étais là, je contrôlais le papier, puis là, d'un coup, je suis tout seul, il n'y a plus personne à contrôler. Mais c'est comme pour les gens. Mais j'étais là comme pour les gens. Maximilius, ça sonne pas un peu
à l'époque là. Il n'y avait pas un mec qui était venu comme ça, qui s'appelait un peu comme ça. Alors les gilles, tout ça, qui est... Ah, c'est... je ne connais pas mon histoire. Ça sonne un peu. Ouais, pourtant. Qu'est-ce qu'on peut lui promettre pour qu'on soit sûr qu'il nous aide? On le ramène en avant. Non, c'est lui qui se ramène avant. Mais oui, on n'a rien à lui proposer. Il faut qu'on lui offre quelque chose. Mesdames et messieurs, contrôle des papiers. Bah tiens, c'est bon. Ah, ils sont valides. Bah oui, oui, ils sont valides. La carte, c'est moi, c'est pas la carte. Mais en moins 1000 au moins, il n'y avait pas de passé, quoi. Mais non, il est par chance. Pardon, où est-ce qu'on est? Mais non, rien, pardon, je blague. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Si on lui a promis, si il est là, avec son ange, qu'on lui a promis qu'il aurait un chat, et qu'on n'en revient pas. Non, on prend l'avion. Ah, facile. On lui prend l'avion, on le ramène, comme ça, si on lui promet l'avion, l'autre nous suivra. Et après, il repartira tout seul en fait. Okay. Allez, parti. On a pensé à plein de trucs. On est d'accord pour vous aider pour vous amener un avion à votre époque. On peut bien le faire. On veut bien, à condition que vous restez avec nous. Parce qu'on a un peu de temps devant nous, on aimerait s'amuser un peu encore un peu. Vous savez, moi je me balade. Hein. Oh, ok, c'est bien. Bon, l'avion. Ben, on va reprendre un vol. Et puis. Tu sais, on prend un vol. Et avec la machine de poche, on se retourne en 1300 avec. Voilà pour votre. Donc. C'est un peu long, ça revient au milieu. Mais c'est ça la machine qui vole! Mais c'est gigantesque! Oui. C'est la première fois que c'est un peu à tout le monde. Ouais. Mais ils ont laissé dans mon armée! Bon, ah, j'ai conquis la France, l'Autriche, l'Europe, tout entière. On y va. Là. Comment on fait pour aller avec vous pour l'instant? J'ai réglé, ça prend. Ça prend tout le temps. Ok. C'est bien pour prendre des charges. Les charités, je commence à vous chacuner là, en tout cas. Ouais. Non, moi je ne sais jamais. Alors, on s'en fait pas. Oui, on est arrivé dans la vie. Vous êtes prêts? On a dit qu'elle allait. Mais c'est pas bien, c'est le truc. Qu'est-ce que tu fais? Je vous écoute pas du tout. Ouais, non, oui. On a dit qu'elle allait. Mais la tienne. La mienne? Ouais. En 300, c'est parti. Attendez, je prends le numéro de mort. Vous avez le permis pour l'éclairage? Je vous embarque là, allez, je vous embarque. Non, mais...